La brouette a trouvé sa place dans la vie des Ivoiriens, dans certaines communes du district d'Abidjan. Nous sommes à Yopougon, au marché Siporex, au nord-ouest d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. De jeunes garçons, pour la plupart mineurs, s'égosillent à la recherche de bagages. Une scène qu'on observe tous les jours dans ce marché. Pour ces jeunes, cette activité est une source de revenus. Je m'en plains pas, je m'en sors dedans. J'ai aimé bouger pour elle, passer pour elle. C'est une chose qui me plaît. Parmi eux, des élèves en vacances. Ici, le transport des bagages se négocie de 200 à 300 francs en fonction des distances, des montants abordables et ces jeunes importants pour ces commerçantes. Ça dépend de la distance, puis ça dépend sur le poids. Si le poids est levé, puis la distance est courte, on peut faire ça 200, 300. Bien que ces jeunes n'aient pas toujours de bonne réputation, ils demeurent indispensables pour les commerçants et autres.